Bonjour, c'est Griffox. J'ai le plaisir de vous annoncer le début d'une nouvelle aventure. J'ai pour projet de faire 100% du jeu d'Offus sur 18 classes. Alors pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez que depuis des années, je joue à 18 classes sur 18 comptes. Le problème, c'est que j'ai fait beaucoup de choses dans le jeu avant de commencer YouTube, notamment beaucoup de quêtes. Ce qui fait que il bah, y a des combats que j'ai pas pu filmer, que j'ai voilà ils sont faits sur mes personnages et je peux pas les refaire forcément. Et euh, ça m'embête un petit peu. Et euh, ça fait un moment que j'avais cette idée dans la tête de me dire ça m'embête de ne pas pouvoir tout vous faire en vidéo, tout vous commenter, etc. Et là j'ai sauté le pas, je me suis dit, allez, on recrée euh, 18 nouveaux personnages, euh, des personnages complètement vierges qui n'ont absolument rien fait dans le jeu, pour pouvoir tout faire de A à Z et euh, tout vous faire en filmer, commenter, tutoriel, vidéo explicative. Euh, bon, pour tout ce qui vaudra le coup, hein, je ne vais pas vous faire euh, les, les choses random, mais euh, tous les combats un petit, peu, euh, un petit peu techniques, notamment des combats de quête ou certains succès. Euh, voilà, je vais tout vous faire euh, documenter, euh, commenter sur toutes les classes. Euh, alors, il y a deux motivations principales à ce projet qui peut paraître un petit peu, un petit peu énorme. La première, c'est que bah, j'aimerais bien en fait que ma chaîne, ma chaîne YouTube devienne une sorte d'encyclopédie vidéo. Et que euh, les joueurs, en fait, ils réflexe quand ils sont confrontés à une difficulté dans le jeu, euh, bah, de taper Greyfox et d'aller chercher, bah, tiens, comment, euh, comment euh, je pourrais avoir une inspiration d'une façon de réaliser tel ou tel combat de quête avec telle classe. Et avec du coup le projet que je compte vous faire, eh bien vous auriez absolument tout le contenu du jeu euh, décliné sous toutes les classes pour pouvoir avoir tout le temps une référence et un modèle ou une inspiration si vous êtes en difficulté. Donc ça, ça me ferait vraiment plaisir d'arriver à mettre ça en place. Et euh, la deuxième motivation pour ce projet euh, assez, euh, assez impressionnant c'est, euh, alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis un joueur PVP à la base, moi bon, je fais beaucoup de choses dans le jeu mais c'est tout le temps pour le PVP, hein. je, je fais de la forge de magie pour mes staff PVP, je farm pour avoir des kamas pour les staffs PVP, pour, en fait je joue que pour le PVP, c'est vraiment ça qui me motive. Et euh, bon, j'ai eu un, un gros niveau PVP à une époque, hein, j'ai été des mois euh, premier du ladder Coliseum 3v3 équipe, etc. Sauf que euh, bah, ça, fait, euh, ça fait deux ans que, en fait, à chaque fois que je reviens en, en PVP, bah, je me rends compte qu'il y a eu tellement de changements, notamment suite à la mise à jour des variantes, que bah, je, ma, ma connaissance elle est un petit peu trop parcellaire. J'ai des lacunes de, de, de connaissances de certaines variantes, de certains modes. Ce qui fait que bah, c'est un peu compliqué d'avoir de, de, de la sensation d'être au top niveau PVP comme je l'étais à une époque. Et je pense que la meilleure façon euh, de combler ce... de combler ce manque, on va dire de me remettre à niveau sur une connaissance vraiment très très bonne d'absolument toutes les classes, et eh bien c'est de toutes les jouer. Donc euh, voilà, je pense que ce projet, il va aussi me permettre... D'avoir une explosion de ma, de ma connaissance du PvP et ça va se ressentir après sur les colis que je vais pouvoir en faire en vidéo. Donc voilà, ça c'est la deuxième, la deuxième raison. Donc première raison, euh, faire une encyclopédie euh, de ma chaîne YouTube euh, qui vous référencera tous les contenus. Deuxième raison, mieux connaître les classes pour pouvoir mieux les contrer en PvP, savoir les jouer, connaître les mécaniques, les subtilités, les variantes, etc. etc. Voilà, bon, on peut se demander, est-ce que c'est pas un projet euh, trop ambitieux euh, parce que c'est vrai que ça va être une logistique assez énorme. Je réalise pas encore très très bien à quel point ça va être pénible à, à gérer. Mais euh, d'un autre côté, euh, là, ça fait plusieurs mois que je réfléchis à me mettre vraiment à fond dans YouTube, dans le, dans aussi le streaming sur Twitch, et euh, je pense que j'ai envie de tenter l'aventure. Donc là, cette espèce de projet. Euh hyper ambitieux, on va dire il vient avec une, une tentative de professionnalisation de mon activité, et si ça marche, eh bien voilà, autant voir grand, où je pourrais du coup y investir beaucoup de temps et faire les choses très très bien en m'appliquant comme j'aime le faire. Voilà, euh, alors je me suis posé la question, est-ce que je fais... Enfin je me suis posé plusieurs questions sur la façon dont j'allais m'y prendre en fait, c'est-à-dire soit je faisais des nouveaux comptes, soit je recréais des persos sur les comptes que j'avais déjà, hein, mais ça posait différents problèmes, etc. Bon je commence à avoir tellement de comptes que je m'y retrouve plus. Et euh, je me suis dit ça aurait été intéressant de le faire depuis le niveau 1, euh, c'est-à-dire vraiment de partir euh, de zéro euh, et de faire vraiment tout le jeu dans des conditions de quelqu'un qui débuterait complètement sur Dofus quoi. Bon même si je doute qu'il y ait beaucoup de gens qui débutent complètement sur Dofus à 18 comptes, mais bon ça c'est une autre question. Mais je me suis dit... Euh, ce que je veux faire, c'est déjà tellement... Euh, ça va être déjà tellement long, ça va être tellement dur à faire. Je vais pas me rajouter des difficultés qui n'apportent rien sur la qualité finale de ce que vous aurez. Et euh, donc j'ai choisi de monter toutes les, tous les persos niveau 200 euh, en reine des voleurs. Donc là, euh, bah, ils, sont tous, euh, ils sont tous niveau 200. Et, voilà, ils ont tous up en, en formant la reine des voleurs. Et, euh, et du coup, bah, je peux commencer niveau 200 avec mon tour autopiloté sur tout le monde. Et ça, ça va me changer la vie pour... Euh, pour toutes les petites quêtes, tous les petits trucs un petit peu. En fait, vous voyez, je veux, je veux faire les choses bien, mais je ne veux pas m'embêter pour toutes les choses qui vont ralentir, qui vont faire que c'est lent. Enfin, je, clairement, je vais pas aller vous drop du prespeak à fond pour vous montrer Regardez, YOLO, je fais une team de zéro, c'est trop bien, je fais mes Kama. Non. Je suis sur un serveur, je suis sur Julit, je suis bien implanté, j'ai mes camas j'ai mes revenus, et là, je veux faire ça propre, mais en allant le plus vite possible sur des objectifs qui vont, qui vont vous apporter quelque chose. Voilà, donc j'ai choisi, je commence niveau 200, euh, avec mon tour autopiloté, ça va être génial. Et euh, bah, je vais essayer de les stuff petit à petit. Euh, bon ça va me coûter très cher parce que je compte les stuff tous avec une exigence proche de celle que j'ai pour le PVP. Donc il y aura des énormes sessions forge de magie qui vont arriver, enfin j'ai plus d'une centaine d'items à sortir, du coup ça va être ça va être assez énorme, et ça va être sympa aussi de faire ça en stream avec vous. Et euh, bah, comme je vais commencer par les contenus bah, level et que j je vais faire tout le jeu dans, dans l'ordre en fait, bah, je vais monter petit à petit et au début si je suis pas full stuff c'est pas grave. Et puis euh, bah, sur les semaines qui viennent j'essaierai d'avancer sur les stuff et pour que quand on arrive vers le contenu de 200 hardcore, bah, là tous les persos soient full stuff, très propre, nickel. Quoi. Voilà, euh, alors on peut aussi se poser la question des, des performances du PC parce que là vous voyez j'ai 18 comptes, un par classe, plus mon compte euh, Grifox originel. Donc ça me fait 19 comptes au total. Et euh, mon PC tient les 19 comptes, hein, c'est un miracle. Donc euh, voilà, c'est le niveau performance, bah, je me suis acheté un PC euh, exprès pour ça, je me suis dit bon bah, je veux un PC pour pouvoir vous faire des choses à 19 comptes propres. Et, euh, et normalement, bon on verra comment on s'en sort sur les qualités, est-ce que des fois je fais des trucs en mode créature pour les, 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 les quêtes où on se déplace tout le temps, on verra, j'adapterai aussi, je vais découvrir un petit peu en même temps que vous. Mais des quelques tests que j'ai fait, un petit peu en stream en vidéo, euh, ça a l'air de plutôt bien tenir. Et évidemment, je euh, vous avais la config de mon PC en description parce que je sais qu'on va me la demander à peu près toutes les deux minutes. Voilà, euh, une dernière chose, euh, du coup cette espèce d'aventure qui n'est pas euh, une aventure de zéro, hein, je le répète parce que euh, ces derniers mois, enfin fait, ces dernières semaines plutôt j'en avais parlé du fait que je comptais faire ça et puis j'ai monté, monté les mules en stream et tout le monde me demandait oui alors ta team de zéro tu vas faire comment, c'est pas, pas une team de zéro, c'est pas une aventure de zéro, c'est une team vierge qui n'a rien fait dans le jeu. Mais, euh, mais je ne pars pas du tout dans l'optique de, de monter pas pas dans le parcours d'un joueur qui n'aurait rien dans le jeu et qui découvrirait. Ce n'est pas, pas ce que je souhaite faire. Donc cette aventure, on va dire, euh, d'approche je sais pas holistique, exhaustive du jeu, de vouloir faire tout sur toutes les classes. J'aimerais bien lui trouver un nom pour que quand on en parle entre nous, on a un nom défini. Parce que euh, dire euh, le, le projet de faire tout le jeu de A à Z sur 18 classes, bon, c'est chiant à dire, euh, de faire des périphrases à rallonge. Donc euh, voilà, j'aimerais bien trouver un nom. J'ai pensé à Wiki defus Je trouvais ça marrant parce que euh, à une époque, enfin euh, pas à une époque, en fait tout le temps, on me pose tout le temps plein de questions. Je reçois des MP, en jeu, sur Twitter, en stream, sur YouTube, non-stop, de gens qui me demandent des trucs. Et des fois, je réponds un petit peu avec le sourire. Euh, je ne suis pas Wiki donc euh, bah, j'ai cherché mais en fait je me suis rendu compte que ça existait déjà, il y a déjà quelqu'un qui a fait quelque chose au nom de Fus, alors ça j'étais pas au courant, du coup bon, bah, le nom là je peux pas le prendre. J'ai pensé à Pana Grifox aussi, pour le côté euh, totalité et griffox, mais ça sonne pas très bien. Donc euh, bah, je sais pas trop et je me dis bah, en vrai je vais vous demander euh, de me faire des suggestions dans les commentaires d'un nom sympa euh, avec ou sans griffox dedans euh, pour décrire un petit peu ce, ce, projet, euh, ce projet fou. Voilà, si vous êtes inspiré, régalez-moi, et s'il y a un de, une de vos suggestions qui me plaît, bah, je la prendrai, ça, ça, ça deviendra le nom, de, le nom de, cette, de cette aventure. Voilà, et évidemment, euh, pour terminer, je peux aussi vous préciser que ce sera fait en majorité en stream sur Twitch, euh, et après, bon bah, les parties intéressantes, je les mettrai en vidéo sur YouTube, mais euh, il voilà, faut bien avoir à l'esprit que 95% des choses, ce sera banal, pas très intéressant, ce sera juste en, en direct, et je vous mettrai sur YouTube que le contenu vraiment pertinent... Qui peut, euh, qui peut vous aider à surmonter une difficulté, donc euh, je répète, les combats de quêtes, certains donjons, certaines strates ou certains trucs très techniques, mais euh, voilà, les... je ne vais, je vais pas vous faire des vidéos où vous me voyez faire des quêtes euh, qui ne servent à rien, ou aller drop des trucs, non, je ne vais pas vous faire ça, ce sera que le contenu très technique, très spécifique sur Youtube, et le reste ce sera du direct sur Twitch. Donc vous avez le lien, euh, vous avez le lien de mon stream en description, vous le trouverez très facilement. Et, euh, et vous pouvez aussi me follow sur Twitter. Pareil, vous avez les liens en description. Je mets souvent des choses sur Twitter, des petits, des petits screens de mon avancement, des messages un petit peu pour vous raconter mes différentes péripéties, euh, etc. Voilà, écoutez, euh, donc allez me suivre sur Twitch euh, Twitter et, et j'attends vos suggestions de noms pour cette aventure, pour ce projet. Moi, je suis vraiment euh, hypé comme pas possible et euh, très enthousiaste à l'idée de ce que ça va pouvoir donner. Voilà, je vous laisse là. Euh, J'espère que cette petite vidéo d'annonce vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.